Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction à l'élo na banzi ke eza ekozala un peu moins moulaï ou bien akosalango na deux vidéos. Nazo réagir justement na clôture ya nani oyo ya sommet o ezalaki na Nairobi avec les groupes armés. Naza vraiment na kanda naza na je ne sais pas comment est-ce que je peux exprimer ça parce que je me dis est-ce que vraiment biso ba congolais tolingi mboka na biso, quelle sera la solution, quelle est la solution exacte qui a été prise à Nairobi? C'est ça la question. Les groupes armés qui ont été à Nairobi, d'abord, tout se poser la question, qui sont-ils? Batouana, donc, gouvernement Nabiso et Yebi Bango très bien. Basolo Lakana Bango, Bakoukiko détecté Bango, Bakoukiko Ebisa Bango, Boya Awa to Solola, na Nairobi. Ça, c'est une question, c'est un fait. Et c'est une bonne chose d'abord que ces gens-là soient reconnus par le gouvernement central. Que batwana ne mtu bazako koze mubulu, bazako sala, ba makambo mbilinga mbilinga na est ya République démocratique du Congo. Mais procédure si konde za mabe. La procédure qui est là, c'est une procédure qui est éphémère, qui est platonique, nga na kuyo lo bandeng wana. Batwana décision ni nango ba kuyo lo ba bon, ok tondimi ko depose ba arme. Est-ce que c'est la première fois que cette histoire-là a été obtenue? Est-ce que biloko wana solution nande salema ke no sikoyo bango nenge bandimi pa biloko wana? Quelle est la part du gouvernement? Part ya gouvernement eza nini? Ba gouvernement lobby ke no yango bango bakosolola na ba M23 te ma mixage wana kozala susute batu bazonga ba déposer ba arme, mais sikoyo qu'est-ce qui se fera? Ba massacre aussi là, insécurité aussi là, parce que ils ont décidé comme ça. Quels sont les faits que il faut voir en place? Quelle est la mise en place de ces résolutions là? Ces résolutions là n'ont jamais été évoquées dans les précédentes rencontres à Nairobi. Il n'y a pas de nouveau là-bas. Il n'y a pas de nouveau. Erere zaka kako uta wapi, zo uta na gouvernement na biso bandeko, parce que nous n'avons pas de solution. Solution ezalite. Awa na zota na lobby, mais ba question est belé etikali. Qui sont ces gens-là? Batouana baza wapi? Est-ce que gouvernement zana même mis sur la batouana? Les gens qui tuent en Ituri, ba massacre zo salema na manye makuna. Est-ce que le massacre est aussi là? Moi, je pense que Batouana va profiter qui peut. Bazoua moi l'icône na Bango, parce que vous aviez vu vous-même. Bon, mon aki Bango, bino moko va réclamer que nous va pèser Bango, Bambongo, tout ça. Et le fait, quelle est la suite maintenant? La suite, Balobi, que nous, bon, l'isolo, on va continuer en janvier. Mais il faudrait que tu poses déjà ba jalon en Koloba. Bon, ok. Et là, quand vous salez, boé, voilà ce que vous allez faire. Ceux qui vont kei, ah, on est beaucoup kende, balobi que non, bah, on kende na DDRC, on a ceux qui en inoua. Nous savons bien sûr que le gouvernement ça n'a problème. Il y a qu'à faire fonctionner DDRC, on a. En 2013, on a récupéré beaucoup de gens, bah, côté kuna, bah, et ça l'a payé là comme côté. Aujourd'hui, nous savons que eloko wana eza na mbongo te ya kosala batwana keno baya bazala kantone tout ça. Ça ce sont des solutions ezaka ba parlote ozaka batwa ke kosolola ka ne wana bozongi batuna batwa zongi na ba place na bango minduki wana bazana ngo ekokende wapi? Est-ce que batwana bandimaki keno ba okende ko déposer minduki wana quelque part pour que bazonga na ba bituka wana? Ba question exacte et belle éthiquement et puis responsabilité nous sommes à Kakawapi na gouvernement central de la République démocratique du Congo. Kenya si sali musala na bango, écoute ça ni bino na bango, ba résolution na bino na bosali, est-ce que kosalema? C'est ça la question qui reste à poser. Bon, awa to kenena nuna likambo oyo
batwana balobi biso awa to soki ezalaki 200 groupes soki 200 personnes bazalaki kuna bauti maniema bauti sud kivu bauti ba, ba société civile tout ça bazwi mwa ba 20000 na bango ale bakei bazongi zongi na bango etikali skaka bango siko bakomi kotale la gouvernement osala sikoyo o olobaki et nous savons bien que notre gouvernement est toujours en retard bazana mbongo te bazana moyen te akoloba ke non awa to sali boye voici maintenant chemin oyoke likambo wana ya ba tueri wana ikosila babiloko wana nyoso bino nyoso tubo kozonga na, esika moko na Nairobi kuna bandeko batu wana bazalaki kuna ezali kaka batu oyo gouvernement eponaki elobi bokende kuna bosolola ça n'implique pas batu wana bazana engagement moko ata moko te ces gens là n'ont pas d'engagement. Ils ont parlé. Maintenant, au gouvernement de montrer ce muscle en disant que donc, ok, tokoma ki awa, voici biso groupes armés na biso toza autant. Voilà que est-ce qu'on a comptabilisé ces gens-là dans ces groupes armés? Biloko ne sa limité. Ezata na plan mon côté. C'est-à-dire que même les Wilingoma qui se disent que non bon, biso toza prêt à kozonga ya kobima awa ya kokende. Mais bon, luke la biso solution. Solution za nini? Yangona bomona kina lettre oh M23 komie lobi. Oui, nous sommes prêts à aller, nous sommes prêts à partir. Mais qu'est-ce que à qui nous allons laisser les terres conquises? Est-ce que le gouvernement est capable à koloba ke mon ndenge boloba ki boy bon biso maintenant toye awa to imposer babilo kona biso to tia batuna bino nyoso tu baza combien? Est-ce qu'on a essayé un peu d'identifier ces groupes armés, quantifier ces groupes armés, on a basé combien? C'est ça la question qui demeure. Et c'est ça l'inconnu dans lequel nous sommes. Donc la question demeure intacte. La question du M23 demeure intacte. Et bango baza kozé la kaka faire de ces akoloba ke no bon. Maintenant que vous aviez accepté que no bo bima, quelle est la solution? M23 za kozé la. Et cause à la massasi ou bien cause à la keno boye awa bobimo non maintenant nous allons mettre le gouvernement central va remettre de l'ordre binobo kende place boye binobo sala boye biso DDRC wana et salamate bango moko bazako contester kutu mutu o balobi batie na nani wana ça reste encore au côté des nominations de nommer quelqu'un qui pourra avoir la confiance de ces groupes armés en disant que non batu o nenge baye awa voici le chemin que nous prenons à ce que nous allons faire. Toko solo la sous photo évalué na janvier. Qu'est-ce que le gouvernement va faire dans ce un mois pour que batwana effectivité ya batwana base le ba déposer ba arme. Ezalité bandeko. Qu'on ne se trompe pas na banzi que les groupes armés même se sont enchantés en se disant voilà encore le gouvernement va encore mentir au peuple congolais en disant que non biso toko bakotia biso boye bakosala biso boye bakosala biso ces résolutions n'ont qu'une feuille de chou comme nazako présenté bino awa c'est une feuille de chou et là comment que ça le matin je ne suis pas pessimiste bandeko moi je ne suis pas pessimiste et je ne parle pas pour les groupes armés ça il faut le savoir mais toke ndena nous to réfléchir na biso moko to réfléchir est-ce que gouvernement Congolais ezali capable ya koloba ke non bon totiki mando ki pe biso nyoso mutute ya kozala soute ke non abeta munduku bien ba massacre wana si la mais en contrôle de qui ce qui se passe à Butembo c'est navra ça laisse à désirer mes chers amis ne nous trompons pas tomiko sa te bandeko gouvernement Kinshasa ezako fel ezako eza au dos du mur. Gouvernement congolais ezan na makambo ya koloba te parce que ezan na plan mon côté o ezan concret ya koloba ke non voici maintenant que nous sommes arrivés à ce que biso nyoso tondimi ke sécurité zonga mais quelle est l'autorité de l'état que nous allons imposer c'est comme ça que moi je vous ai dit que solution awa il faut ezan la solution moko globale ezan la applicable na Kwamutu ezan la applicable na Lubumbashi ezan la applicable na Équateur ezan la applicable par-ci par-là. Et il faut la plan moko ya kolobake remettons le pays en ordre. Bango baza koloba likambo ya gouvernance, bango bazo koloba likambo ya nationalité, bango ya makambo ebele maintenant, il suffit maintenant que le gouvernement central ya koloba. Au lieu de se concentrer kaka ke no ba groupes armés kaka, remodelons notre pays.
qui va inclure toutes ces histoires-là que les groupes armés bazako réclamer. Tout ça yango na plan moko global oyo tokotia na mesa tolobi mutute bandeko ndenge toyokani boye awa mutute akobanda ko isuko simba mandoki mutute azala na sel mobeko ya l'état. Il faut que tokene na likambo ya koloba que reconstruisons notre état pour que l'état wana e prendre en compte ba réclamation nyonso ba groupes armés wana pour que ba groupes armés wana nyonso ba s'inclure na kati. Nous avions dit ceci. Bandeko, allons avec un plan global, un projet global ya koloba keno. Tokende teke auto recruter ba tumsusu boye ba ça sera du passe-temps et kozala passe-temps parce que ba tuana et puis le gouvernement actuel n'a pas le moyen ya koloba keno. Tozwa 10 millions, tozwa 15 millions, to tiango na DDRC. Est-ce que résoudre nini? Et qu'on résoudre nini na likambo ya nani ya gouvernance, et qu'on résoudre nini na likambo ya nationalité, et qu'on résoudre nini na ko d'escalader tension au ezali na kati ya ba population. Quelle est la solution globale que nous prenons pour que résolution au bazui na Nairobi ezala inclus na kati ya plan global ya République démocratique Mobimba? Quel est le plan global que nous mettons en place qui inclura à ce que ba brassage ezalate plan ya ko réformer armée ezalate que batwana pangonyo zotuba yeba ke no OK même à ça to déposer ba armes lelo ceux qui to déposer ba armes lelo nous poursuivons un but à ce que batuna batuba zala bien na kati place au bazali batuna batuba ba nda ko kengela place au bazali. Moi je pense que nous avons commis une grosse erreur encore une fois de plus d'aller à Nairobi en cherchant une solution pour un groupe de personnes qui ont pris les armes. Bandeko, si nous n'avons pas un plan global ya ko d'escalader tension oyo ya ba insécurité na kati ya ba bituka nyonso parce que la chose eza ko kende na ba province mususu malembe ezala na Katanga ezala na Mkwamutu ezala na Nord Kivu ezala na Ituri ezala na Sud Kivu biloko wana nyonso eze loko moko. C'est une chose que le gouvernement devrait s'atteler en disant que non, OK, nous n'allons pas causer avec les groupes armés, mais voici le plan global qui va inclure toutes vos réclamations autoko appliquer. C'est comme ça que nous sommes dit remodelons le pays. Remodelons le pays, allons-y avec un plan global et à changer constitution. Parce que ceux qui t'ont changé constitution, si ceux qui t'ont lobby que t'ont qu'ils n'ont pas masolo, nyosoana, ils allent inclure un plan global, batuna katia bituka na bango, bazala na quand même na ni akoloba keno. Maintenant que le gouvernement central a dit que non, effectivement qu'il y a un problème et que ce problème-là résulte à tout ce que nous avons émis comme réclamation. Voici la solution. Solution à nationalité, solution à gouvernance à la province, solution à l'État pour rétablir autorité à l'État. Voici le plan sécuritaire à Mboka Nabiso, na Katia Bituka Nabiso. Nous avions dit que ceci, il faut absolument qu'il y ait un plan global. Parce que l'Ikambu, ça a impliqué M23. Vous avez vu que M23 a sepeli à Kolobake. Non, Biso Toko Longwa. Mais ce qui est Longwa, tokoti que la mboka o na banani parce que si c'est la même chose que ban et puis il dit ceci ce qui tokei tokoti que la mboka na ba FDLR baza quantifié toyebi baza combien. Recommençons le pays à zéro en disant que voilà le plan global que nous venons. C'est l'état des lieux de chaque territoire. Masolo oebetamana chaque territoire. Et cela nous avions dit que nous voulons à ce que batou na katia babi tout kaba bakende ko solo là. Et ça ma kambo mbongo te que nous va distribuer ba oyo oh 20 000 oh bato bakenda ki kuna na Nairobi ça va taiser la tension. Tension qu'aussi la tête tant que nous ne prendrons pas une solution globale pour la République démocratique du Congo. Et nous ici à Contact Pro Live, nous prenons en tout cas cette mesure là à Koloba. Allons-y dans le plan global de la République démocratique du Congo. Identification à Batou. Au sein même du M23, il y a des étrangers. Batou a naba se sentir que non, ezana mboka na bangote. Vous aviez suivi, je crois. Alors, je vais revenir na deuxième vidéo. On a ça qu'expliquer pourquoi M23 kokendete. À tout à l'heure.